Lui aussi a décidé de prendre l'air pour profiter de ce pont de l'Ascension. Emmanuel Macron est au fort de Brégançon. Il va y passer tout le week-end, le président de la République. Frédéric Michel qui va recharger les batteries, mais les dossiers brûlants du moment ne sont jamais très loin, forcément. Hein. Effectivement, d'ailleurs, le séjour, nous dit-on, sera studieux. Le président a prévu de travailler à son bureau au deuxième étage du fort avec vue sur mer, quand même. En fin de matinée, il avait un rendez-vous téléphonique prévu avec le président turc. Depuis son premier mandat, le chef de l'État a pris pour habitude de passer ce long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon. Le couple Macron y vient aussi l'été. Le président est arrivé en toute discrétion hier soir dans le Var. Ses touristes lillois le confirment. On sait qu'il est là, puisqu'on a posé la question, on nous a dit affirmatif. Donc on sait que le couple est là, mais on ne l'a pas vu, non ? Encore ? Bon, on ne va pas passer notre journée ici à attendre. Hein. Alors, sur la plage qui donne sur le fort, les touristes informés de la présence du couple présidentiel sont, vous allez l'entendre, plutôt bienveillants. Alors, je ne crois pas qu'il va se baigner sur la plage. On va dire qu'on a un bout de vue en commun aujourd'hui. C'est rigolo pour les enfants surtout. Oui. T'aimerais bien le voir ? Oui. Bah, tu dirais que tu voulais voter pour lui ? Oui. Et même ceux qui n'ont pas voté pour le président comprennent qu'il se plaise ici à Brégançon. Il est tranquille, il est bien, et puis il a la mer, le soleil et tout. C'est super. En tout cas, que ça lui prenne le goût de l'écologie, de la nature et de la préservation. Voilà, le message est lancé. On ne sait pas si le président a prévu de sortir, s'il a prévu d'aller au contact des Français. Une chose est sûre, il profitera du soleil et des températures quasi estivales. Merci beaucoup Frédéric. Mais dites-nous Frédéric, vous êtes les pieds dans l'eau, on entend la mer. Oui, je suis à vraiment deux pas de la mer et je crois que je vais aller goûter cette mer en Méditerranée qui nous tend les bras. Vous avez bien raison. Merci beaucoup Frédéric.